Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui à Manicourt pour la saison, bah toujours la même saison, hein, saison 2002 de Formule 1. Et on va entamer du coup la qualification. Alors c'est parti, aéro, boîte de vitesse, suspension. On va laisser par défaut, c'est un circuit un peu moyen, dans le sens où il y a une longue ligne droite, mais aussi pas mal de courbes, il faut un peu d'appui. Donc on va laisser ça comme ça. Et c'est parti pour la sortie des stands. Alors normalement on est dans l'ancienne configuration du circuit, on n'est pas dans la nouvelle. Voilà, c'est automatique, hein, je pilote pas. On va attendre que ça passe. Oula, voilà, par contre je conduis. On voit la différence d'un coup. Allez, c'est parti. Encore une fois, on va voir si le tracé est bien modélisé. Regardez les détails au loin, c'est vraiment super loin les détails, regardez. Je comprends que la framerie te casse la gueule. À gauche, oui, on a les collines, les montagnes, enfin c'est le genre de truc qu'on voit jamais en fait dans les autres jeux de Formule 1. Et je pense que c'est pour ça que le jeu est assez lourd pour la console, mine de rien. Et je parle même pas des effets de brume. Oula, faut que je me concentre par contre. Ouh la vache. Allez, on va se reprendre. Alors c'est un circuit qui a toujours été assez compliqué dans le sens où comme c'est des pif-paf gauche-droite, si on n'est pas dans la bonne trajectoire ou qu'on oublie de bien freiner au bon endroit, soit de tourner au bon endroit, ben on se retrouve à tirer tout droit ou à tourner exagérément. Et on perd beaucoup de temps. J'ai de passer par là. Voilà. Je connais pas encore trop les points de freinage. L'ancienne variante du circuit français, je préfère hein, d'ailleurs à la nouvelle version. J'aime bien cette chicane avec le virage en dévers très serré. Allez, c'est parti pour un premier tour lancé. Ouais, je suis impressionné quand même par les décors au fond là, je trouve ça abusé. Abusé. Au freinage, intérieur. Alors la pole est en 1.18. On va voir le temps qu'on va faire. Après je pense qu'on n'est pas prêt de retourner sur ce tracé en F1 hein, avec le Paul Ricard qui est présent. Il me semble que le circuit de Paul Ricard va un peu changer. Apparemment ils ont rajouté des zones un peu de gravier. À voir ce que ça donne. Enquête. Ah, ah je pense qu'il y a enquête pour le tour que j'ai fait. Alors peut-être qu'il sera pas comptabilisé. Ouais, j'ai un petit peu tiré droit dans la chicane. On va finir notre tour, je sais pas ce que ça va donner. Il a été validé. On va quand même essayer de faire un deuxième tour pour conforter la position. C'était ici que j'avais coupé. Il n'y aura pas d'enquête. Je pense qu'on va mieux ressortir. Voilà, je l'ai pris beaucoup plus vite ce virage. Et on va terminer avec la chicane. Oh! Et ben voilà. L'échec au dernier virage, incroyable. Bon bah tant pis, hein. On va rentrer au stand. On va faire du coup fin de session. On va faire oui. Et du coup c'est que le 7ème temps. Hein.
Aïe aïe aïe, c'est dommage parce que je pense que je devrais avoir pas mal d'avance. Je pense que je devais au moins avoir une seconde de mieux, donc je devrais au moins me placer dans les trois premiers. Alors du coup, au niveau des qualifications, Ralf Schumacher en pole position. Eh, devant Romain Plomotel et deux Williams en pole position. Devant Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Barrichello et David Coulthard. Écoutez, c'est une ligne assez inédite cette fois-ci, pour une fois. Bernoulli, on est 7ème. Genre, c'est quelques surprises, non, pas grand-chose. Bon, bah, elle est même en dernier. Écoutez, on va voir la ligne. On va faire du coup la course. Je pense qu'il bah, il doit faire beau, normalement. On va prendre les pneus tendres, bien sûr. Une ligne toute blanche et bleue cette fois-ci. Ça va être intéressant de voir le rythme d'ailleurs des Williams hein, par rapport au Ferrari. Et j'ai encore un départ moyen. Je pense que j'aurais dû mettre l'antipatinage à fond. Et ouais, j'ai perdu énormément de position. Allez, ça zizek pas mal. Voilà, attention, on va essayer de bien ressortir. Allez, 10 tours du Grand Prix de France. Avec l'aspiration. Je vais tenter l'intérieur. Ouh, il y a la Toyota qui s'est mise en plein milieu, qui est dépassée d'ailleurs. Qui a dépassé la Sauber. Par contre, on a réussi à passer, je crois. Ouais, on a réussi à passer. Je sais pas qui, je pense que c'est Heidfeld peut-être. Ou Massa. Allez, l'intérieur sur Massa ici. Oh, il me bloque. Je vais pouvoir passer quand même. Ouf, ouf, ouf. C'est pas évident, réaccélération. Ouais, non, là, ici ça passera pas. Alors, vraiment, c'est difficile parce que je sais pas quelle trajectoire va adopter l'IA. À la meilleure accélération, peut-être. Ouais, ils ont l'aspiration, hein. Du coup, c'est compliqué. Ah, ça pourrait passer. Non, j'ai pas assez de... On va faire l'extérieur-intérieur. Meilleure accélération, et on était bloqué par la Toyota. Voilà, j'ai plus l'aspiration maintenant, mais c'est bon, ça passe. Oh, il se décale. Oh là 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 là, il fait que louer. Hein. C'est bon, freinage devrait passer. Oh, j'ai failli me prendre la voiture derrière. Bon, ça fait un double dépassement, hein, c'était pas prévu, mais vraiment le pilage au freinage, c'était. Je pensais vraiment que j'allais me défoncer, faire défoncer par la tour de devant. Enfin, que j'ai surtout la démonter. Alors, les Williams sont toujours devant. Bah, alors, du coup, on se rend compte que les Williams s'étendent un peu plus lentes. Bah, il y a moins d'écart qui se crée. Le problème c'est que je vais rester plus fort, mais il faut que je sois vraiment... Voilà, ils sont côte à côte. Bon, je vais mettre sur la troisième ligne, mais je vais pas avoir d'aspiration, du coup. On va se caser devant. Ouais, je pourrais pas passer ici. Oh là 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 là. Pff, oh, l'IA qui bouge partout. Allez, l'aspiration. Regardez ce que fait l'IA, c'est n'importe quoi. Je peux même pas me décaler, en fait. Il va se décaler. Oh, je passe à l'intérieur. Ouais, c'est bon, ça passe. Par contre, à l'accélération, c'est pas trop ça. Si, c'est bon. Et voilà, ça devait arriver là. Attention. Des bons débuts de Grand Prix.
respiration. Est-ce qu'il va rester à l'intérieur? Ah, j'ai dû piler quoi. D'ailleurs, ça se suit. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux Ferrari sont loin. Du coup, au niveau championnat, là je suis déjà devant, même sans gagner la course pour le moment. Alors, ils font que le voyer les deux. Hein. C'est pas aisé. Regardez le paquet qui s'est formé sur la carte. Entre nous trois, un peu les autres, et l'autre peloton. Attention. Il n'y a pas de déventement dans le jeu, je précise. Ils ne sont pas là quand même, mais... Des fois, le fait de voir essayer d'avoir une trajectoire extérieure, ça nous fait sortir vraiment large. Et du coup, on fait des erreurs. Oh là, ils ont vraiment mis un vent. Voilà, ils sont tous les deux côte à côte à chaque fois. C'est le même principe qu'avec les Ferrari, je crois que c'est la dernière course. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'ils sont ensemble, c'est très difficile de dépasser. Parce qu'ils se donnent aspiration. Et ils bouchonnent à chaque fois les deux côtés de la piste. Regardez, il est sur le côté. Non, je peux voir passer là. L'avantage, c'est ici qu'il y a du gravier. Il n'y a pas de gravier, justement. Donc, du coup, on peut tenter un peu. Ah, mais regardez, il y a l'aspiration à chaque fois. Donc, il s'éloigne. Extérieur. Ouais, j'aurais peut-être pu accélérer à fond, peut-être, et... Oula, j'ai tapé la béquille. Ah, il est long. J'aurais peut-être pu passer à fond là, mais le problème c'est que vu qu'il a tourné directement après au niveau de la trajectoire, ça aurait fait un énorme choc. Surtout qu'il faut que je fasse gaffe à l'aileron. D'ailleurs, ça suit toujours. Je crois que le Ferrari est en train de passer, ouais. Putain, j'ai complètement. Ouh la vache! Oh putain, j'ai totalement. Oh la vache, j'ai explosé. Ah, j'ai pas explosé mon aileron, par contre, il est rouge. Hein. Ouh là 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 là. Ah, j'ai regardé derrière, je n'ai même pas regardé le freinage en fait. Putain, quel débile, quel débile. Ah, alors du coup, est-ce que l'aileron est cassé comme ça? On va regarder un peu la voiture. Ah, l'aileron, il est complètement plié. Ah ouais, du coup, je tourne beaucoup moins bien du coup. Ah, ça va, ça va, ça va plus être pire, mais alors vraiment... Ah, j'ai ruiné la course de la Williams, mais j'ai essayé de passer entre les deux, hein, au freinage, hein, mais c'était impossible. Ah, ça m'apprendra à toujours faire ça, là, pour regarder derrière moi. Ouais, comme ça, on peut voir que... on peut arracher les roues dans le jeu. Par contre, à niveau rythme, ouais, il va falloir aller chercher. Ah, je m'en veux parce que là c'est vraiment l'erreur bête quoi. En fait, j'ai un peu plus de sous-virage. Bon, c'est léger hein, c'est pas non plus énorme, mais j'en ai un peu quand même.
deuxième ça m'irait quand même, hein, on va pas se plaindre. On prend des points quand même à Ferrari. Tour à faire. Ah ouais, ça tourne un peu moins bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pas eu l'aileron avant cassé. Vu la vitesse du choc, je vais arracher la roue hein, carrément en plus, hein, rafraîchissement. Ouais, je peux pas prendre aussi vite les virages rapides. Je pense que le jeu en mode difficile doit quand même être encore plus... Ça doit vraiment être super passionnant en fait. Parce que franchement, vu l'IA, je me dis qu'en mode difficile, ça doit être une purge. Mais ça doit être drôle en fait. Ça doit être drôle. Je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai peut-être une deuxième saison en mode difficile. Je pense que ça c'est pas... C'est peut-être faisable. Enfin, c'est peut-être que si vous intéresse, si vous êtes d'accord, peut-être qu'on fera ça. Alors peut-être pas tout de suite à la suite, hein, parce que j'ai d'autres jeux avant. Mais la revanche peut-être en mode difficile. Avec une autre équipe, hein, pas une Arrow, on prend une équipe un peu plus. Une équipe moyenne on va dire. Enfin, faut que j'arrive à remonter. Je pense que je peux le faire hein, mais. Ça dépendra vraiment de comment je tourne. Je crois que putain, il y a le Ferrari qui revient là. En train de me donner l'aspiration. Un gros point de freinage, voilà. Ah putain, allez, oui, c'est bon. Tout droit ça passe. Et j'ai cassé mon aileron. Et voilà, il fallait que ça arrive. Putain, le freinage loupé, j'ai plus d'aileron. Heureusement que c'est les derniers virages. Oh la vache. Putain. Eh ben c'était. Il fallait pas que ça tourne qu'il y ait un tour de plus. Bon, et bien deuxième place avec victoire de Ralf Schumacher, une fois n'est pas coutume. Devant nous-mêmes, Michael Schumacher 3ème, pour le 10ème. Raikkonen 4ème, Rubens Barrichello 5, David Coulthard 6. Et tristesse évidemment, puisque aucune équipe n'a récupéré le point de la 6ème place, autre que McLaren et Ferrari. Alors, Mika Solo, Ryan Trulli, Philippe Massa, Alan McNish, Enzo Alfrenz, Jacques Villeneuve, De La Rosa, Eddie Irvine et Montoya, effectivement. Exclu. Carrément exclu, le pauvre, alors que c'est moi qui l'ai sorti. Bon. Ok, alors au niveau du championnat pilote, 10 points d'avance maintenant, tout rond, avec Michael Schumacher. Rubens Barrichello, 3ème, 50 points, Ralf Schumacher, 33, Juan Pablo Montoya, 20.
Les deux McLaren 16 et 12, Jenson Button qui est toujours le seul autre à avoir marqué des points. Aucune différence. Et au championnat constructeur, Ferrari 122 points. Nous on était 82, bon on est bien quand même. Hein. BMW Williams 53, McLaren Mercedes 28 et un petit point pour Renault. Je me fais doubler par tout le monde. Hein. On le voit en fond. Et Jaguar Racing, Toyota, Sauber, c'est les trois, c'est Sauber, Toyota et Jaguar qui ferment la marche, c'est pas Minardi, hein. Minardi est 8ème. J'avais pas fait trop attention à ça, mais ça veut dire qu'en fait là, si le championnat s'arrêtait, au niveau de la redistribution de télé, Minardi se ferait bien plaisir quoi. Bon ben on se laissera là-dessus, on se retrouve pour la prochaine course, la 12ème course de la saison. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.